It's our joy when the house of the Lord is open. Because we know in the house of the Lord, that's where we get the rich. And we are prepared to go to the heaven. Are you happy this morning? Amen. Without delaying, we have our brothers who can visit us. Present the other side. Amen. Came to visit us. Amen. We have our visitor. He's a preacher. Brother Bertin. Pastor Atlanta. He's the pastor of Atlanta. Wakati yote kunakuya ma manifestation ya kanisa bale banamini sasa hizi. Every time when there is people who believe like that. Thanksgiving tunaendaka kwa kule kanisa ya. Amen. Thanksgiving inakuya. Thanksgiving. Kama sisi tunaenda Atlanta. If we go in Atlanta. Tunaenda kanisa yake. We go to the church. Na ukienda Atlanta. If you go to the kanisa yake. Choka bale banamini sasa hizi. That's where the believers are. Akesu kumipeleka kwa makanisa wengine wana. We cannot take you to churches that do not believe like us. Because we are strong on our faith. We are not trying to go left or right. We orient the people who believe like us. We orient our church. Atlanta. And when we go to Atlanta, the church is there. And it's the shared part of the church. Without further delay, we are all going to stand up to read the word of God. We are going to read in the book of Proverbs. We are going to read three verses. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Mon fils, retiens mes paroles. Hold on to my word. Et garde avec toi mes préceptes. And keep my precepts. Observe mes préceptes. Observe my precepts. Et tu vivras. And you will live. Garde mes enseignements. Keep my teaching. Comme la première de tes yeux. As of your sight. Lis-les sur tes doigts. Keep it on your hand. Écris-les sur la table de ton cœur. Write it on the tablet of your heart. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Ça, c'est le conseil que vous avez donné. This is an advice that's been given. Vous connaissez celui qui a écrit ce proverbe. Do you know who wrote the proverb? C'est notre frère Salomon. Our brother Solomon. Il a eu la sagesse de Dieu. He had the wisdom of God. C'est là qu'il a écrit ses histoires. And that's why I wrote this thing. So that it can help us. Toute bénédiction. Every blessing. Allant avec ces paroles. Going with this word. Une fois quand vous les observez, when you observe this word. Les bénédictions qui marchent avec ces paroles. The blessing that comes with this word. Seront les vôtres. It will be yours. Ce matin, je me récolte. This morning, I want parmi to. Nous aujourd'hui. Amongst us. Et ces bénédictions sont. These blessings are for us. That's why we are going to pray. Seigneur, you will say, Lord, les paroles que je viens d'entendre, may the word that I come from this que cela soit ma vie, Amen. Que cela soit appliqué dans ma vie, let it be applied in my life. Que la bénédiction de ces paroles, so that the word puisse être le mien. Amen. On va nous entonner quand il te lead us in a small song. Niwe karibu nawe. Oh,
voice of Christ. You will pray according to the scriptures of the word. Amen. 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 Amen.
que la parole de Dieu, le royaume de God. Le Seigneur touche le cœur de tout et chacun. Et quand le serviteur de Dieu est en train de passer, nous allons demander notre frère Alphonse, prier pour les offrandes et pour la prédication. Pray for the offering and the preaching. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Lord be praised. Nous vous saluons ce matin. We greet you this morning. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. The name above all names. Le nom qui nous a été donné pour notre salut. The name that was given for our salvation. Que tout genou fléchit devant ce nom. Amen. Jésus-Christ est le nom de Dieu. Jesus Christ is the name of God. Pour la nouvelle alliance. For the new covenant. Et c'est ainsi que nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Restez assis. C'est juste pour compléter ce que Jésus est en train de dire. It's just for you to complete what I'm saying. On aime toujours lire dans les Saintes Écritures. Because you're going to read in the Holy Scriptures. Actes chapitre 4. Acts the fourth chapter. Le verset 12. Verse 12. Il n'y a de salut en aucun autre. There is no salvation in another name. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. There is no above heaven any other name. Qui ait été donné parmi les hommes. That was given to man. Par lequel nous devions être sauvés. Whereby we must be saved. Le salut c'est au nom de Jésus Christ. Salvation is in the name of Jesus Christ. Pour tous nos problèmes, for all of our problems, nous mettons le nom de Jésus-Christ devant. Et c'est dans ce nom-là que je me tiens ici devant vous. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le frère David pour m'avoir accordé l'occasion de parler au peuple de Dieu que vous êtes. Depuis qu'on s'était quitté quand j'étais venu le jour du mariage. Et voilà que le Seigneur connaît toutes choses. Il savait que c'est aujourd'hui qu'on allait encore partager la parole de Dieu. Comme on l'a déjà présenté, je suis votre frère. Je m'appelle Frère Bertin Chiswaka. Je suis ministre de la parole.
Je suis le berger de l'église d'Atlanta. Atlanta. Et le Seigneur qui m'a sauvé. Il m'a appelé aussi au ministère. Pour partager la parole de Dieu. Parce qu'il est dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour nos âmes. De la même manière que nous avons besoin de la nourriture physique pour grandir, quand on est né de nouveau, c'est une naissance comme la première naissance. Ici, il y avait la semence corruptible de nos pères. Mais spirituellement, ici, il y a la semence parole. Amen. Pour avoir une naissance, il faut une semence. La parole est la semence. Quand nous recevons la semence parole dans nos âmes, nous naissons de nouveau. Quand un enfant naît dans le naturel, il a besoin du lait maternel. Après, il a besoin de la nourriture. Et puis ainsi, après le lait, on lui donne de la nourriture solide. De la même manière aussi dans la foi, nous naissons, mais il nous faut aussi le lait. Après, il faut de la nourriture. Alléluia. L'homme intérieur ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous transmettons donc les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs d'Atlanta. Et par la grâce de Dieu, j'espère que nous allons vous revoir au Thanksgiving au mois de novembre. Nous vous attendons. Ce sont des grandes réunions, des communions fraternelles. Nous consacrons 2 à 3 jours matin soir avec nos familles, nous prions, partageons la parole de Dieu et nous faisons de la Sainte-Sainte, lavage de pieds, parce que ce sont les commandements que le Seigneur nous a laissés. Dans la première église, il persévérait dans l'enseignement, un seul enseignement des apôtres. Il n'est pas dit dans les enseignements, non. Dans l'enseignement, il n'y a qu'un seul enseignement, l'enseignement biblique. Dans la communion fraternelle, dans le partage du pain, et ça c'est une recommandation du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je veux donc vous inviter à vous mettre debout. Nous allons lire 2 écritures. Dans le livre de 1 Timothée, Timothée, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. La seule chose qui nous rend sage, ce sont les saintes lettres, c'est-à-dire les écritures.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc on enseigne qu'avec l'écriture. Pour convaincre. On ne peut pas convaincre autrement. C'est seulement avec l'écriture. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu de la route soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 15. Après ça, on va prier et vous allez vous asseoir. Romains chapitre 15, à partir du verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction en tant qu'enfant de Dieu. L'instruction ne vient pas de notre tradition. Ça ne vient pas de qui que ce soit. Ça vient de ce qui a été écrit d'avance. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, c'est la seule chose qui nous console, qui nous donne l'instruction, qui nous enseigne, qui nous corrige. Ça doit être écrit. Nous possédions l'espérance. Donc, les Écritures donnent la consolation. Verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Amen. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, pour glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez, la Bible, c'est un livre spécial. Il n'y a pas un livre dans tout le monde qui dépasse la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le seul livre dans le monde qu'on appelle la parole de Dieu. Les brochures ne sont pas la Bible. Les brochures viennent de la Bible
retourner à la Bible. Chaque prédication de Frère Branham, il a ouvert la Bible et il a prêché. Et ces prédications qu'il a prêchées à partir de la Bible, ont été bien documentées. Ça ne vient pas remplacer la Bible. Ça vient nous éclairer. La Bible reste notre absolu. Dans la Bible, ce n'est pas comme les autres livres scientifiques. C'est un livre écrit par Dieu lui-même. De sa propre mère. Par son esprit. Il a pris les gens. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et les hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc toute écriture est inspirée de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La Bible est notre absolu. La Bible a été écrite dans une période de plus de 1600 ans. Il m'a dit pourquoi 1600 Nyaka. Ils ont commencé vers 450 avant Jésus-Christ. C'est Moïse qui a commencé à écrire. Moïse a écrit 5 livres. Il a écrit Genèse. Il a écrit Exode. Il a écrit Nombre. Deutéronome et Lévitique. Et puis Dieu a envoyé sa loi. Il a appelé un peuple à part qu'on appelle Israël. Israël, c'est le choix de Dieu. À partir d'Abraham, Dieu a appelé Abraham. Il lui a montré la terre. Il a dit, je te ferai le père d'une grande nation. Pourquoi Dieu a fait ça? Il voulait avoir un peuple à qui il peut maintenant donner ses instructions. Parce que Satan était dans toutes les nations. Depuis la chute, Satan a commencé à contrôler le monde entier. Et Dieu voulait avoir un peuple à lui. Le peuple juif, c'est le seul peuple à qui Dieu a donné ses oracles. C'est eux qui ont écrit la Bible. C'est eux qui l'ont gardé pendant des années pour que ça puisse nous parvenir. Et là-dedans, Dieu nous a communiqué sa pensée. Dieu nous a communiqué sa volonté. Et la parole est parfaite. On ne peut y ajouter ni retrancher quelque chose. Dieu n'a rien oublié. Tout ce qui était nécessaire pour nous, il a fait écrire dans la Bible. Dans la Bible, on nous parle d'où nous sommes venus. On nous parle de la chute. On nous parle de la promesse pour nous sortir de la chute. Et on nous parle de là où nous rentrons. Il y a eu 40 auteurs qui ont écrit la Bible. 39 dans l'Ancien Testament. 27 dans le Nouveau Testament. Tous étaient des Juifs. Parce que c'était un peuple de Dieu. Romains chapitre 2. Nous allons lire deux écritures tout à pour montrer cela. Comment le peuple juif, c'est le peuple de Dieu. Dans Romains chapitre 2,
Romains chapitre 3 plutôt. Verset 1. Vous savez à quoi? Quel est donc l'avantage des Juifs? Basi mayaudi anaziada gani? Et quelle est l'utilité de la circoncision? Na kutairiwa kwa fani. Il est grand. Ikuya de toute manière. Donc l'avantage des Juifs est grand. Mon frère ya kidaudi ku kubwa. Tout d'abord à ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Dieu a confié ses oracles aux Juifs. Mungu ali patia wa Yahudi hayo mausia. C'est à eux qu'il a donné la loi. Ni kwao alipatia sheria. Les Juifs étaient le seul peuple Yahudi qui était civilisé. Wale walikuwa civilized. Qui a reçu la loi de la part de Dieu. Toutes les autres nations vivaient comme des animaux. Dieu a pris un peuple à part. Il leur a donné sa loi. Comment on se comporte avec son prochain? Comment on se comporte avec la femme de son prochain? Tout. Dieu leur a donné. Psaume 144. Il dit encore quelque chose. Vous allez voir que Dieu n'a pas fait comme ça avec toutes les autres nations. Il l'a fait à Israël. Psaume 147. Zaburi 147. Verset 19. C'est très important de comprendre. La Bible, c'est un livre écrit par le peuple de Dieu, le peuple de Jésus. Et le salut est venu de là. Salut, parce que Jésus devait naître dans cette lignée-là. C'est après que ça s'est répandu vers nous les nations. Mais il n'y a pas une nation comme Israël à qui Dieu a donné les oracles. Donc nous ne nous référons pas à la nation américaine. Nous ne nous référons pas à la nation congolaise. Ou rwandaise. Toutes les nations n'ont pas connu Dieu. Alors, Psaume 147, le verset 19. Dieu, il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations au pluriel. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Alléluia. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui nous a visités dans cet âge. C'est lui qui marchait avec la colonne de feu pour conduire son peuple. C'est le même qui nous a visités. La même colonne a été vue ici, dans cette région que vous êtes. C'est le même Dieu qui a conduit Israël et qui nous conduit aujourd'hui. Jean chapitre 4. John, regarde ce que Jésus dit. Le verset 20. Jean chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 22. Il dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. C'est-à-dire, c'est ce peuple-là que Dieu avait sauvé. Et Dieu avait promis de venir sauver toute l'humanité par ce peuple. Dieu a envoyé tous les prophètes. C'est ainsi que quand nous lisons dans Luc chapitre 24, vous allez voir que Jésus lui-même a respecté cela. Regarde ceci.
Dans Luc chapitre 24, il commence à partir de 75. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et ni aussi aux femmes, et dans le cœur elle a à quoi c'est comme dit le prophète. N'est-ce pas-t-il pas que le Christ souffrit ces choses? Christ et qu'il entra dans sa gloire. Maintenant regarde. En commençant par Moïse. Moïse, c'est-à-dire Genèse. Nous avons un manzo, les autres, le nom énorme. Jésus lui-même, en commençant par Moïse, Moussa, et par tous les prophètes. Donc il a pris Esaïe, Jésus, et il le expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. On ne peut pas trouver Dieu en dehors de sa parole. Alléluia. Dieu est lié à sa parole. C'est pourquoi l'écriture dit que un homme de Dieu dit les paroles de Dieu. Alléluia. Je ne dois pas ici venir vous dire ce que je pense. Même si ça paraît bon, même si ce sont mes paroles, Dieu n'est pas lié à mes paroles. Que tout homme soit menteur. Romains chapitre 3. Seul Dieu vrai. Jean chapitre 3, le verset 34, la Bible dit, car c'est lui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Alléluia. C'est très important. Parce que la parole de Dieu, comme nous l'avons lu, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous traitons nos problèmes avec la parole. Nous sommes instruits avec la parole. Nous enseignons avec la parole. Alors, un homme de Dieu dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. Il dit à Timothée, prêche la parole en toutes circonstances, favorable ou non. Il dit dans Tite chapitre 2, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Et il nous donne toutes ces choses. Et il nous dit verset 7. Et toi-même en te montrant toi-même à tout égard, un modèle de bonnes œuvres. Nous-mêmes qui prêchons, nous devons être des modèles de nos œuvres et donnant un enseignement pur. C'est ça notre responsabilité. Nous-mêmes d'abord, nous disons seulement les paroles de Dieu. Nous donnons de bons exemples, de bonnes œuvres. Et nous donnons un enseignement pur. Et donnons un enseignement pur. Nous donnons une parole saine. Une parole irréprochable. Afin que l'adversaire soit conçu. Donc l'adversaire est toujours là. N'ayant aucun mal à dire de nous. Mais si déjà nous-mêmes qui péchons, nous ne sommes pas agents de bonnes œuvres, nous lisons l'écriture, alors l'ennemi va nous accuser. Alléluia. Viens aller l'oublier. Donc la Bible,
venir, c'est votre absolu. Dieu absolu est. On ne peut ni lui ajouter à toi ce qu'on a vu, ni l'étranger. À un mouvement d'or. La Bible, Biblia, et nous donne tout. Et Nathan, vous n'êtes pas tchatchot. C'est aussi une épée à double tranchant. N'animanga. Parce que nous sommes des incrédules par nature. C'est pourquoi il faut parfois la parole de Dieu comme une épée. Hébreux chapitre 4. Nous allons voir comment on définit la parole. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Plus tranchante. Pénétrant jusqu'à partager à mes esprits. Jointure et moelle. C'est la seule chose qui juge nos sentiments. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais mes propres paroles ne peuvent pas le faire. C'est la seule chose qui nous convainc, la parole. Donc vous voyez, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à lui, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est une épée. Ça vient couper. Nous tous devant la parole. Nous inclinons. Bon, personne ne peut lever son petit doigt. Ce n'est pas possible. C'est Dieu lui-même. Qui peut tenir devant Dieu? Nous nous laissons corriger. La parole de Dieu, c'est aussi un marteau. Regardez ce que l'Écriture dit. Verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est aussi une nourriture. La parole de Dieu, c'est un miroir. Selon Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, c'est un miroir. Et dans ce miroir, on doit se regarder soi-même. Quand on voit l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous-mêmes. La parole de Dieu, elle doit être mise en pratique. Jacques chapitre 1, Jacobo sura ya kwanza. Regardez ce que l'Écriture dit. Il dit ceci, que nous devons toujours mettre la parole de Dieu en pratique. Et ne pas nous borner à l'écouter seulement. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu, et ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui a regardé dans le miroir son visage et qui a aussitôt oublié à quoi il ressemblait. Nous lisons le possible verset 22. Jacques chapitre 1. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Voilà si on ce qu'il y a du tout. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel qu'il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, à l'œuvre, il y a des actions qu'il faut poser. Celui-là sera heureux dans son activité. C'est la parole de Dieu. On n'écoute pas seulement à tout ce qui est tout. Ça entre ici, ça sort là-bas. On la met en pratique. Maintenant aussi, ça, même le jeûne. Dieu n'a pas oublié le jeûne. Dieu s'est souvenu encore. Dans tous leurs problèmes, parce que nous avons maintenant des jeunes qui doivent se marier, comment ils vont se comporter. Dieu ne les a pas oubliés. Regardez ce que Dieu dit. Psaume 119, le verset 7. Voilà le secret pour que les jeunes réussissent. Psaume 119. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. En apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts, comme nous l'avons entendu dans le livre de Proverbes. Ne m'abandonne pas entièrement. Maintenant, l'Écriture pose la question aux jeunes. Comment le jeune homme, tu veux te marier, quand est-ce qu'il faut se marier, comment il faut se marier, qu'est-ce qu'il faut observer, comment le jeune homme, va-t-il pur son sentier, en se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Le jeune homme, tu veux réussir dans ta vie. Les gens du monde, ce qui va toi, ce n'est pas te diriger selon ton intelligence. C'est faux te diriger selon ta parole. Pour les jeunes frères comme pour les jeunes soeurs. Alléluia. Amen. Et le mariage, la norme, parce qu'il faut en parler. Il a dit pour ses raisons. C'est une institution de Dieu. Qui tout le monde va et Dieu demande que le mariage soit honoré. Donc nous traitons le dossier du mariage avec beaucoup de crainte. Parce que ce que Dieu a dit, ça va pour le monde de ses Hébreux 13. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Ça, c'est que le père, la mère, les oncles, quand on dit tous, c'est bien tous. Le mariage doit être honoré de tous. Et le lit conjugal, centre de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, à cause de cela, nous traitons le mariage, nous honorons ça. Pour éviter l'impudicité, que chaque jeune, que chaque homme et sa femme, que chaque femme et son mari, c'est ce que la Bible dit. Celui qui est adultère sera jugé par Dieu même. Les impudiques,
seront jugés par Dieu lui-même. Pourquoi? Panini. Parce que c'est le péché originel. C'est par cet acte que le péché est entré. C'est ce qui amène la colère de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a institué le mariage lui-même. Il dit, Dieu lui-même, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regardez Genèse chapitre 2. D'abord, Genèse 1. Le verset 26. Oui, Dieu dit, c'est Dieu lui-même. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Il dit tout cela. Le verset 28. Non, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et la femme. Le premier homme, il était spirituel. Et il n'était l'homme là. Il n'était pas deux choses, il était une chose. Il n'était pas l'homme. Il était homme et femme, il y avait les deux. C'est ça la parole de Dieu. Et le mariage, après la chute, la femme retrouve sa place. C'est pourquoi ils ne sont plus deux. Ils sont une seule chair. Et Dieu dit que personne ne sait pas ce que Dieu a émis. Et il dit ceci dans Genèse 2, au verset 21. D'abord le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de Dieu pour le cultiver et pour le garder. Il a donné l'ordre. Mais le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas la volonté d'un pasteur. Si on m'a baisé, c'est pas la volonté de ton père. Si on m'a baisé, c'est la volonté de Dieu. M'a baisé à Dieu dit, il n'est pas bon. Donc un homme qui reste seul, il va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. La femme ne vient pas pour rendre l'homme malheureux. Elle ne vient pas pour troubler l'homme. Elle vient pour aider l'homme. Elle a été créée comme aide. Alléluia. Amen. Et nous sommes au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Est-ce que vous entendez, monsieur? Quand le Saint-Esprit a écrit la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a écrit. En faisant la généalogie, le Saint-Esprit sautait le nom de femme. On dit qu'elle n'appartient pas à la famille. La famille. Elle veut transiter par la famille. Leur place, c'est dans le mariage. Amen. Alléluia. Le mariage doit être honoré de tous. Nous, enfants de Dieu, si tu es toi, nous devons faire honorer cela. Et voilà ce que la parole de Dieu continue. Et l'Éternel Dieu forma une femme.
femme, na Mungu akafuata la code qu'il avait prise de l'homme, kwa ubavu aliotoka katika amena vers l'homme, na akamletea mwanadamu. Et l'homme dit, na akasema, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, et chair de ma chair, nyama katika nyama yangu. Et on l'appellera femme, basi ataitwa mwanamke, parce qu'elle a été prise de l'homme, maana ametwaliwa katika mwanaume. Donc on peut même dire quand on voit une femme, unaweza kusema bonjour celle qui a été prise de l'homme. Ah, mwanamke c'est sa femme, ça veut dire ça, mke wake. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous croyons. Na jambe na tunami. Et c'est ça la parole de Dieu. Na neno la Mungu. Et c'est ce que nous devons garder dans nos cœurs. Na nini tuchunge mioyo yetu. Et nous avons dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Na sema maandiko yote yali yenena na Mungu. Et l'homme quand il regarde, na wakati mwanaume anaangalia, voici l'os de mes os. Ah, angalia mifupa ya mifupa yangu. C'est pourquoi Dieu demande à l'homme. Ndio kwa maana Mungu anamwomba. Aime sa femme comme son propre corps. Apende mke wake jinsi anapenda mwenyewe. Parce qu'il est l'os de ses os. Sababu ni mifupa ya mifupa yake. La chair de sa chair. Ni nyama ya nyama yake. Personne n'a haï sa propre chair. Hakuna mtu anachukia jirani yake. Ataï Linda. Alléluia. Ah. Ça c'est très important. Dieu a demandé à la femme d'être soumise en toutes choses. Parce qu'elle est la côte de l'homme. Si tu ne prends pas ta place, tu déranges tout le corps. L'homme est isolé. L'homme n'a pas de paix. Alléluia. Amen. Et chaque sœur n'a qu'un dada rote a le futur foyer dans sa main. Le foyer, chaque foyer dépend de chaque sœur. Familia yote ina depend na dada, même une jeune sœur qui n'est pas encore mariée. Hata dada mwenye hajaolewa. Elle est responsable d'un foyer futur. Et qu'on a responsable de ce qu'elle est aujourd'hui, il y en a un enfant d'aller. On veut faire que ce foyer soit un foyer où il fait bon vivre. On a une enfant en famille qui est un foyer où les gens fuient. C'est pourquoi nous demandons à nos jeunes sœurs déjà de prier dès maintenant pour ce futur foyer. Parce que la paix dépend de nos sœurs. La paix de la maison dépend de la sœur. Alléluia. Amen. Alors vous voyez, parce que c'est elle qui est l'homme semblable. Ni yem saïdizi. Le verset 24. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Manaume atacha et s'attachera à sa femme. Na atakumatia na mkewe. Voyez, l'homme quitte. Il y a le mot quitter. Manaume atatoka. Alléluia. Amen. L'homme quitte. Mon homme n'a pas tort. Et quand il va, il ne s'attache pas à une famille. Parce qu'il ne s'attache pas à sa femme. Amen. 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 Ça doit être compris clairement. Amen. Et la femme, quand elle est partie, c'est qu'elle rentre dans sa logique. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Nous ne voulons plus de jeunes ou de hommes qui sont manipulés par leurs parents. Manipulés par leurs mariages. Ça c'est la tradition. Dieu a révélé sa volonté à Israël. Seulement ce qui est dans la parole. Un homme qui quitte, un homme avant de se marier, doit quitter. Amen. Et quand la femme aussi, doit savoir que l'homme qui quitte, il s'attache à ma famille, s'attache à sa femme, et les deux deviennent une même chair.
Ça, c'est la parole de Dieu. Et la question est posée à Jésus-Christ. Dans Matthieu 19, s'il y a un motif quelconque, regardez la question. Le verset 3. Matthieu 19. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Parce que chez nous maintenant, oh, cette femme est têtue, je l'ai répété. Non, c'est contraire à la parole. Oh, cette femme est sorcière. Oh, cette femme ne respecte pas mes parents. C'est pas une raison. Si on s'abat. Alléluia. Quand on s'engage, c'est un engagement sacré. Et Jésus continue. N'avez-vous pas lu que le Créateur, nous venons de lire, au commencement, fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, voyez, c'est le Créateur qui avait dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, disait bien, à sa femme. Alléluia. Il n'est pas venu épouser toute la famille. Non, mais il a mis sa tâche à sa femme. Tout le monde doit respecter ça. N'a vous trotté ma bidi cochinier. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous. Que personne donc ne sait pas ce que tu as mis. Nous trois citons et nous allons l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà pourquoi on ne traite jamais le problème de couple en séparant les deux. À tous les coups, c'est contraire à la parole de Dieu. Ils sont deux avant le mariage. Donc ils sont unis. Même s'ils sont fâchés l'un contre l'autre, selon la parole de Dieu, ils sont une seule chose. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous dites amen à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. C'est ça le message. C'est ce que Dieu nous a envoyé. Le mariage est sacré. Sacré. Le mariage est une institution de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on s'engage, ce n'est pas les hommes devant Dieu. Et tous, nous devons honorer le mariage. Nous travaillons toujours dans le sens du mariage. Donc ils ne sont plus deux. Ils sont un. Alléluia. Donc vous voyez comment Dieu donne des instructions claires. Comment un jeune homme va réussir s'il se nourrit selon la parole? Et nous voulons, quand le seul s'engage, c'est pour partir. Regardez dans Genèse 24, l'exemple de Rebecca. Oui, sa famille voulait la retenir. Mais nous allons lire qu'est-ce qu'il a dit. Là, tout à l'heure, alors ici, Genèse chapitre 24. Manzo Isherini Nani.
Nous voyons le verset 51. Voici Rebecca devant toi. Va qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Vous voyez? Donc ici on a donné Rebecca. Mais la tendance, c'est le verset 55. Le frère et la mère disent que la jeune fille reste avec nous. C'est la base. Alléluia. Ah, le jour que je donnais ma fille à mariage, ah, si vous me prenez et quand après les photos, ah, ma femme, Badaya, ma picture, elle voyait qu'elle devait encore récupérer sa fille. La famille de l'homme. La Kina Kaona, je vais partir avec elle. Alléluia. Nous devons accepter ça. C'est la parole de Dieu. Le frère et la mère disent que la jeune fille reste avec nous. Il y a toujours beaucoup de raisons. Mais devant la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre raison. S'attacher. Oh, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Si c'est à deux, quand vous avez fait à deux, c'est que l'homme marche, c'est que la femme marche. Alléluia. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne peut pas le dire plus clairement que la parole de Dieu. Alléluia. Ah. Alors, il dit qu'elle reste avec nous quelque temps encore, avant une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Vous sentez? Ils ont gardé leur fille. Il leur répondit, ne me retardez pas. Un homme qui s'est marié, il a l'urgence, il ne veut même pas perdre un jour, il veut prendre sa femme. Oui. On va tous pas une femme pour que quelqu'un la garde. Si c'est sous l'arbre, vous êtes marié, on va vous étaler. Dormez là, marié. Si c'est un morceau de pain, mangez à deux, vous êtes prêts à venir. Priez Dieu, vous êtes un. Dieu qui a mis le mariage, il ne vous donnera pas le mariage. Amen. Il me répondit, ne me retardez pas. Puisque le Seigneur a fait réussir mon voyage. Il a dit, laissez-moi partir. Mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille, le consultons là. Alléluia. Ils appelèrent donc Rebecca. Elle lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Alléluia. Nous avons besoin de filles comme ça. J'irai. Mon mari est pauvre, j'irai. Amen. C'est un engagement devant Dieu. Alléluia. Et nous voulons que le jeune qui prenne ses décisions le prenne avec la crainte. Je n'ai pas essayé. C'est un engagement sacré. Qui a pour qui a acte. Proverbe chapitre 20. Regarde ce que l'Écriture dit. Le verset 25. C'est un piège pour l'homme. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Engagement, nous exhortons le jeune à prier pour l'homme. C'est la plus grande décision. Il n'y a que deux grandes décisions dans la vie. La première, c'est notre position. Pour Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes tous pour Jésus-Christ. Cette décision,
Ça vous amène jusque dans l'éternité. Cette décision-là, la deuxième grande décision, c'est la décision du mariage. Quand vous vous décidez, et moi je vais te marier, et la seule quand vous dites, j'irai, c'est la plus grande décision. C'est pour le reste de votre vie sur la terre. Deux grandes décisions, il ne faut pas jouer. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alléluia. Amen. Romains chapitre 7. Lisons d'abord dans Matthieu 19. Tu sommes quoi dans Matthieu 19? Le Seigneur ne permet pas mon divorce. Ainsi, Rousseau n'aime pas que l'homme puisse répudier sa femme. Ainsi, Rousseau, nous en avons. Il dit ceci. Il pose la question. Matthieu 19, verset 7. Nous saluons ensemble. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis à qui il a bien dit que celui qui répudie sa femme, il a nous dans ta moitié un pied face. Et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. 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 Noir sur blanc. Black and white. Celui qui répudie sa femme, nous tous les en épouse l'autre, connaît l'adultère. En a quoi comme un zin. Matthieu chapitre 5. Le verset 32. Il commence au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est ce que nous voyons ici. Dieu nous a montré que Dieu a donné ses oracles aux juifs. Nous avons laissé la Bible. Nous conformons à la parole de Dieu. Ici, c'est bien le matin, tu fais ici la profession. Dieu n'a pas la vérité. Il a été écrit que verset 31. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, il a monté en match avec elle pour cause d'infidélité, si pourquoi avant il expose à devenir adultère. Nous avons lu dans le 4, le mariage doit être honoré de tous, Dieu jugera les adultères. L'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Amen. Alléluia. Amen. On ne prend pas ça à la légère. On va de l'avant. On prie. Ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Dieu peut changer le cœur. Nous prions pour les mariés. Nous prions pour le couple. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la parole de Dieu. Marc chapitre 10. Marc, il y a encore une autre écriture là. Qui dit la même chose. Et à ce moment-là,
nous ne sommes pas libres. Verset 11, Marc 10. Il leur dit, celui qui répudie sa femme, qui épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alléluia. Amen. Combien d'adultères dans la vie? Combien d'adultères? Et quand Dieu a révélé ça, Frère Branham connaissait dans l'église, il ne savait pas par où commencer. Le Seigneur lui a dit, tu dois pécher. Il est rentré, il a prêché ça. Les gens étaient troublés. Quand il est monté à la montagne, le Seigneur est descendu encore. Et il lui a dit, demande à ceux qui ont déjà fait des erreurs de rester ceux qui sont. Je ne veux pas aujourd'hui. Mais vous, la ne le faites plus. Vous faites à vos enfants, ne le faites plus les faits. Et c'est ce que nous faisons ici ce matin. Ne le faites pas. Alléluia. Romains chapitre 14, verset 7. Romains chapitre 7. Nous avons dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle nous corrige. Alors, il dit ici, ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, tant que le mari est en vie, même s'il devient fou, mais tant qu'il est en vie, la femme ne peut pas devenir la femme de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Même s'il est dans la rue en train de marcher, une femme chrétienne qui craint Dieu, elle reste comme cela. Alléluia. Amen. Son mari, tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, Amen. Il est dégagé de la loi, Amen. Il va la livrer à son mari. Amen. Il n'y a pas de délai. Amen. Quand le mari meurt, Amen. Il n'est pas lié à Sifumwe. Tous les restes sont des traditions. Même au cimetière, là, s'il y a un frère qui dit, moi je t'aime. C'est pas un péché. Oh non, le mari est encore. Il est mort. La femme est dégagée. Il a beaucoup de traditions. 40 jours. Il n'a rien. Quand quelqu'un meurt, il va plus revenir. On a confiance à coup d'appel. Amen. La parole de Dieu, mais non, ça doit enlever nos traditions. Éphésiens chapitre 5. Dieu recommande des choses pour ceux qui sont mariés. Le respect. Et Chima, l'homme. N'est pas votre ami. Alléluia. Le mari n'est pas votre ami. Si Rafiki Yako. Oui. Même Kizungu. That's right. Yeah, on a pris cette culture. Ani Kiasini. C'est une aide semblable. Ni Moussaïdis. Je l'aime, je la chérie. Na Moupenda. Mais la position de la Bible reste. La Kini de Biblia. L'homme est le chef. Mwanaume, la parole de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 5. Le verset 22. Femme, soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. Vous voyez? Non.
Pas n'importe comment. Donc, si le Seigneur, ça veut dire celui qui lit, celui qui conduit. C'est pour ça que Sarah a appelé Abraham. Il appelait le Seigneur. Pour dire le maître. Celui qui conduit. Chaque homme doit être maître dans sa maison. Alléluia. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme le Seigneur. Car le mari est le chef, disait bien. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. On n'a pas dit que tu sois chef comme ton père. Non, comme Christ. Christ, il est notre chef avec amour. Amen. Avec sacrifice. Il se sacrifie. Il est tenu. Lui, notre chef. Il a été humilié. Lui, notre chef. Il a humilié. Peut-être on a craché sur lui. Lui, notre chef. C'est un Dieu qui nous domine. Avec amour. Il nous pardonne. Nos iniquités. Il nous pardonne nos péchés. Mais il reste notre chef. Il nous pardonne. L'amour marche avec le pardon. Un chef qui ne pardonne pas, il n'est pas chef comme Christ. C'est pas ça l'écriture. Oh, moi je suis chef. Non, chef comme Christ. Qui est comme Christ. Alléluia. Il faut que la femme voie le sacrifice. Il a bien dit mon homme. Nous sommes fous parce que nous avons vu le sacrifice. Nous avons vu son niveau d'amour. Il montait à Golgotha. Il n'avait pas dormi toute la nuit. Il avait fait la Sainte-Sainte. Il a prié toute la nuit. Il était fatigué. Il choquait. On est venu l'arrêter. Il a pris la couleur. Nous avons du prix à ses yeux. Nous sommes la perle de valeur. Un homme qui ne comprend pas que sa femme, c'est la chose de valeur. Il n'a pas compris. C'est une perle de valeur. Alléluia. Amen. Ma chérie. Oh, il dit ici. Au verset 24, on demande que l'Église est soumise à Christ. Les hommes aussi doivent être à leur mari dans toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même afin de la sanctifier par la parole et après l'avoir purifié par le baptême. Nous avons ici dit ceci. Le verset 31. C'est pourquoi l'homme montre quittera à quitter vos familles. Pas un homme qui est commandé par son père. Si on montre un homme son grand frère, un homme qui a quitté, fait. Alléluia. Amen. Ma femme. C'est toi quitter. Il quittera son père. Attends, sa mère. S'attachera à sa femme. Alléluia. Et nous tous nous respectons. Merci de votre fille. Toi, on ne pas caché à votre famille. Caché à sa famille. Alléluia. Respectons l'écriture. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et le deviendra une seule chair. Ce mystère est grand. C'est un mystère. C'est
caché aux yeux des intelligents. Il est fou. J'aime cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous, aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte nos soeurs. Parce que moi vous perdez le respect. Ça veut dire que vous êtes comme vous. Vous avez raté l'enlèvement. Alléluia. L'homme est fait pour être respecté. Il est créé comme ça. C'est un chef. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu. Et respecte son mari. Alléluia. Enfant maintenant. Obéissez à vos parents. Quels sont ces enfants-là? Quand j'épouse une femme, la famille de la femme devient ma famille. Le père de ma femme, c'est mon père. La mère de la femme, c'est ma mère. La femme aussi. Quand j'épouse un homme, c'est ton père. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ni afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Parce qu'il nous dit, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est l'esprit de l'âge. Nous voulons des enfants obéissants. Nous aimons parfois, nous sommes assis, on est en train de... ndugu yetu ataondoka sasa pour un petit temps seulement je crois pas comme le doko je crois sa présence le Seigneur nous a béni amen et présence à qui vous allez pas la dernière fois la bénédiction madame il viendra en menace pour nous prêcher le samedi le dimanche amen nous devons nous retrouver prochainement quand il viendra. La bédite pour Jitandaï, Wakatatamouya, Tout le monde est là. Amen.